limite virer. Voilà. Là, ça devrait être réglé parce que j'ai viré le clavier. C'est Windows 7, ouais. C'est bon, c'est bon. J'ai viré le clavier français. J'ai fait comme la dernière fois. Bon, alors j'ai commencé la partie, j'étais comme ça, face à ce gros caillou, mais il y avait quelqu'un à la base. Et il y a un truc d'écrit. 6 larmes, 6 regrets, 5 pour résoudre et une. One misplaced, bring them to my tree. J'ai pas très bien compris. Alors 6 larmes, 6 regrets, 5 tout seul pour résoudre, on est d'accord. Et une misplaced, je sais pas ce que ça veut dire. Bring them to my tree. Ramène-les à mon arbre. Bref. Oh putain de merde, c'est quoi ce truc? Y a moyen de mourir dans ce jeu? Parce que là, on vient de croiser quelque chose de très très louche. Est-ce que c'est ok chez vous? Est-ce que ça lag? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tout fonctionne parfaitement bien? En tout cas, c'est joli. Jusqu'ici, en tout cas. Est-ce que c'est ça une larme? Prends-la, chope-la, je cours après. J'arrive pas à la prendre. Est-ce que c'est ça une larme? C'est une grosse larme, si c'est une larme. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un truc louche? Est-ce que je suis pas censé m'approcher de ça? Égaré, ok. Bon, tiens. C'est moi qui tousse comme ça. Ici, une autre grosse pierre. En est-il de vous dire que je suis déjà perdu? Come play with me here, watchful eyes, always on in my secret place. Viens jouer avec moi ici, watchful eyes, les yeux qui regardent, watchful eyes, yeux attentifs, always on me, in my secret place. Ah, il faut peut-être que je suis le truc. Où est-ce qu'il est? Ok, c'est parti. Je vais le suivre de manière attentive. Ouais, mais ça se trouve, c'est un piège. Il va m'amener droit vers un boss. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ça sent mauvais, ça. Hein. Ça sent mauvais parce que je suis obligé de le fixer. J'ai l'impression qu'à un moment donné... Ah! Je crois que j'ai trouvé une larme. Ok, c'est parti. J'en ai une. J'en ai une. Ok, tout va bien. Tout va bien, je l'ai prise, hein. Ouais. J'ai une larme, les gars. Une larme, une larme. Parti, on continue. Je vais peut-être arrêter de sprinter parce qu'après, je suis crevé. Il y a un arbre géant, deux arbres géants et du rouge sur l'arbre ici à gauche. Mais ce n'est rien d'important. Avance, je sais pas trop où je vais, pas vu de carte ni de plan. Est-ce que The Dude, est-ce que tu as terminé ce jeu-ci ou pas du tout, ou est-ce que tu y as joué seulement? J'imagine que tu y as joué si tu me l'as conseillé. Non. Ah. Donc quand tout à l'heure quand j'ai demandé s'il y avait moyen de crever dans ce jeu, j'imagine que tu ne sais pas. Jouer mais pas fini. Ah si, donc tu y as joué. Ok, ici j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Quoique, non, c'est peut-être la limite de la carte. C'est peut-être la limite, ouais, il y a une espèce de mur géant. Et il y a un truc qui me suit là-bas, c'est quoi ce truc? Ok, j'ai compris. Il y a une espèce de monstre qui me suit. Il ressemble à un petit peu à une espèce de Shinigami qui fait vachement flipper parce qu'il est genre habillé en noir et il a un visage blanc. Donc il faut que j'aille dans le sens opposé. Je suis très lentement, mais sûrement. Je sais que tu as plusieurs chances avant de crever. Ok. Je me retourne rapidement, ok, je ne le vois plus. En même temps, c'est full brouillard par ici. On voit pas grand chose.
Ici, il y a un truc par terre, une sorte d'épée. Ah non, c'est... C'est une coupole, tout simplement. Okay. Évidemment, il faut que je trouve les gros rochers sur lesquels sont inscrits certains indices. Est-ce que ça, c'est une limite? Ah non, je peux avancer là-dedans. Ah non, non, je peux pas. C'est la limite du jeu. Ok. J'ai... Non, j'ai regardé juste sur YouTube vite fait. Ok. Ok. Alors, ici un arbre louche, mais pas d'inscription. Un autre arbre louche. En réalité, ce sont des arbres tout à fait normaux. Je ne sais pas du tout où je vais. C'est qu'à ma gauche, la carte prend fin. J'ai pas trop le choix. Est-ce que la vidéo que tu as vue, Banner, est-ce que le gars a terminé? Il s'en est sorti vivant. Donc là, il y a un caillou. C'est parti. J'arrive à dire, voilà. Which they did... Oh purée, c'est éteint. C'est mauvais signe, j'arrive pas à lire. Which they did call me flames and gulf all I hold those their aggression. Je comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me rentre à l'intérieur d'ici. Ok, c'est parti, je rentre. Pas du tout où je vais. Espèce de labyrinthe. J'aime pas ça du tout. Ok. Je sais pas où je suis. Où est-ce que je vais sortir d'ici? Je fais chaque pièce, enfin ce qui ressemble à des pièces. Ici un couloir, j'ai l'impression d'être déjà passé par là. Faites-moi. Ok, je ne vois rien du tout. Est-ce que quelqu'un a un indice à me donner? Là, je crois que je suis perdu. Je suis coincé dans ce labyrinthe. Je pensais que je gérais, mais en réalité, pas du tout. Hop. Pas par là. Ok, ça c'est la sortie. Je suis rentré, je suis sorti. Est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose? Alors. J'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire là-dedans. Je regarde juste autour de moi pour voir si l'étrange créature de tout à l'heure est dans les parages. Je ne la vois pas. Ok, je lis. J'arrive pas à lire, c'est trop foncé. 36-15, tournis. Ouais, pareil, j'hésite à re-rentrer, je veux juste comprendre ce qu'il faut faire. Which they did call me. Ils m'ont appelé la sorcière. Flames engulf all I hold dear. Does their aggression. J'ai pas compris, je comprends pas cet anglais. Et ça, c'était en fait la dernière zone à visiter après les 5 autres. Ah, ok, donc je me casse de là, c'est bon. Je me casse de là. On reviendra par ici plus tard. Moi ça m'arrange. Cet endroit est un peu flippant. Ok.
Oh putain, il est juste ici à droite. Ok. Moi, mon sprint, il est foutu. Mon sprint est foutu. On est d'accord, hein, le truc que je vois là, c'est lui le monstre. Hein, Ici, il y a des lumières. Ici, il y a des lumières. Il faut que je fasse, il y a une cloche, un truc au milieu, enfin une corde. Ok, j'ai tiré. Oh putain. Pas une bonne idée ça. Qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'est-ce qui est marqué? Service will begin. Ceremony order. Listen for Bellstall. Listen for. J'ai pas compris. Oh putain. Qu'est-ce qui. Oh putain de merde, il est juste là. Oh putain. Salut, bonsoir, Nélécito. Voilà. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Est-ce que j'aurais dû laisser la bougie sur place ou est-ce que c'est normal? C'est voulu qu'en touchant la bougie, le gaz apparaisse au cul. Il me semblait avoir plus de chance que ça. Hop. Comment est-ce que je fais pour voir combien de larmes j'ai? Pour information, Nelsito, j'ai terminé Haunt très rapidement. Et là, on joue à Dream of the Blood Moon. Comme tu peux le constater, il est assez flippant dans son genre. C'est une femme, pas un mec. Ok, ici je suis de nouveau quelque part où j'ai l'impression. Ah, je suis revenu là où je suis mort précédemment. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il est toujours là dans les parages ou pas? La bougie, je l'ai pas. Je tire la cloche, ça fait rien. Comment est-ce que je fais pour avoir l'arme? Alors il y a des petites énigmes pour les Nécitos qui sont inscrites sur des blocs comme ça. Marqué service will begin ceremony in its order. Listen for Bell-toll. Listen for Bell-toll. Mais ouais, ça me dit pas ce qu'il faut faire quoi. Je comprends pas. Oh il est là-bas, il est tout près. Moi je me casse. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais il était juste en face de moi en train d'attendre. C'est ça, c'est façon Slender, sauf que voilà, c'est un monstre différent et que c'est pas des notes à rattraper. Ici c'est des larmes. On m'a dit qu'il y a 6 larmes, 5 à retrouver et une je sais plus quoi. Et il faut ramener toutes les larmes. Ou là, la dernière larme. Non, c'est toutes les larmes, il faut les ramener à son arbre. Et je sais pas c'est quoi son arbre. Je suis dans une forêt, il y a des arbres partout. Et pour. J'en ai eu une tout à l'heure. Pour récupérer les larmes, il faut se soumettre aux indications. Notées généralement sur une espèce de gros rocher. Comme on vient de le voir là avec des inscriptions rouge sang. Il faut tirer la corde au bon moment. Ah ok, trop tard. Je suis loin, je suis parti. On tirera cette corde une autre fois. Ici, j'ai l'impression d'être dans un autre endroit. Une lumière ici par terre, une lampe torche. Ok, est-ce qu'il y a un rocher dans les parages qui m'indiqueront un truc à faire? C'est quoi cette caisse? Je ne sais pas. Je me retourne pour voir s'il est dans le coin. Je ne le vois pas. Donc par là, je ne peux pas aller. Je suis coincé. Et on y va, on se casse de là, je vois pas du tout où je vais. Trop de brouillard là. D'ailleurs. Ah oui, ok, on s'est pas passé. On ne s'est pas passé, je suis coincé. I'm stuck in the wood. Ok. Oh putain, il est juste là. Il va venir vers moi. Est-ce que je peux passer? Vous le voyez? Je suis coincé, je dois passer par là, bien sûr. Casse-toi de là, s'il te plaît. Il vient par ici. Il vient par ici. Sauf que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas passer. Donc, en gros, je suis coincé. Et mon string... J'allais dire mon string. Mon sprint est foutu. Il faut que je me calme. Calme-toi. Regarde-le du coin de l'œil.
Il se rapproche. C'est l'occasion de pouvoir l'observer calmement. Oh putain de merde, il vient vers moi. Il m'a touché. Ok, donc à partir d'un certain moment, il accélère. Bon à savoir. C'est parti. Et bizarrement, les couleurs changent. Ah, c'est ça que tu disais, plusieurs chances. C'est ça, les chances. Ça devient louche, là. C'est plus brumeux, maintenant, c'est une teinte rouge, comme ça, rougeâtre. L'ambiance a changé aussi. J'ai l'impression qu'on démarre à chaque fois dans un endroit différent. Donc moi, je reste plus dans les endroits comme ça, très... cloisonné. Pour ne pas me retrouver coincé tout seul avec lui. On casse d'ici, s'il y a moyen. Casse-toi de là, qu'est-ce que tu fais. Oh purée, j'ai l'impression que je suis justement revenu au même endroit. Donc casse-toi de là, vite. On part ici, il fait tout noir, je ne vois rien. Oh purée, c'est quoi ça? Casse-toi de là. C'est flippant, à fond que c'est flippant. Surtout que comme il y a beaucoup de brouillard, généralement, faut vraiment réussir à le distinguer très vite. Autant dans Hone, j'ai l'impression que c'était plus simple parce que le gars il brillait, vu qu'il était un peu électrique comme ça. Alors qu'ici le gars il porte une espèce de toge noir. Toge. Bref. Alors. Ah, ici à gauche j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Là il y a un rocher. Quel est l'indice? Ah mais je suis déjà venu ici. C'est ma première larme, je continue par là tout droit. Alors je propose d'arrêter le live d'aujourd'hui, enfin plutôt Dream of the Blood Moon plutôt, genre disons jusque 10h parce que là c'est déjà... troisième fois que je reprends. Et... oh, putain de merde, c'était quoi ce bruit? Je l'ai pas vu moi. Je l'ai pas vu, il était derrière moi. Oh putain de merde. Ok. You have been slain. Ok. Il est vachement flippant, bien foutu. Donc en gros, il faut que je recommence tout. Je recommence, c'est parti. Encore un quart d'heure de jeu là-dessus, essayons de... re... Sraius, t'as manqué le... t'as manqué tout le truc, quoi. J'ai passé l'intro. Donc là, en face... Six Tears, ok, ça c'était le message de départ. Je vais vite aller chercher. C'était par là, je crois. La première larme, qui est encore assez simple à récupérer. Oh putain, ça commence déjà ou quoi? C'est quoi ce bruit? Je suis pas au courant. Je ne le vois pas. Non, c'est pas le même endroit, ça c'est quoi ça en face de moi, c'est pas ça. C'est pas là que j'ai trouvé la première larme, c'est quoi ça ici? Un personnage qui tousse. Oh putain, je suis coincé. Je suis dans le noir. Où est-ce que je suis? Oh putain, il est juste en face de moi. Hiding here again, I can hear them searching me. Escape, punishment, retourne-toi tout doucement, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il était en face de moi il y a 2 secondes? Oh putain, je vais jamais pouvoir le faire ce truc, c'est trop flippant. C'est vachement trop flippant. Oh putain de merde. Où est-ce que je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fous dans un couloir? Y a pas... C'est censé être...
A découvert ce jeu, allez je prends à gauche, c'est parti, cours, cours tout droit, cours tout droit, cours tout droit. Oh putain, t'as dingue, tout juste là. Putain, cours, 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 casse-toi de là, casse-toi de là, casse-toi de là. Je suis coincé, je suis dans un cul-de-sac. Reste là, tout va bien aller. Ok, j'attends, j'attends. J'ose pas bouger, j'ose plus y aller, je sais pas. On y va. À droite. À gauche. À droite, c'est parti. Cours, cours, cours. Coincé encore une fois, coincé encore une fois. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Cours. Mon personnage est essoufflé. Je vais crever, hein, c'est sûr. Je sais pas comment sortir d'ici. Je suis coincé, il est juste là. Il est juste là, ok. Va dans l'autre direction, va dans une autre direction. Oh putain, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Casse-toi de là, casse-toi de là, casse-toi de là. Vite, 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 vite. Coincé encore une fois. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. Ok, on va prendre ici à gauche. Non, il n'y a pas de chemin ici à gauche. Il y a un chemin à droite seulement. Est-ce qu'il y a ici un chemin à gauche? Tout doucement, on y va. Ici à gauche. S'il te plaît, arrête de tousser, tu vas attirer l'attention. Je sais pas où je suis. Je suis perdu. Complètement perdu. Oh purée. Ce que je fais, j'essaie de trouver le chemin de la sortie. Est-ce que c'était lui là-bas? Non. Coincé encore une fois. Purée. C'est violent, c'est violent, c'est violent. Et je suis coincé dans un labyrinthe avec ce truc là. Il faut qu'on lui trouve un nom parce que ça m'embête. Ok, ça c'est pas un chemin. Oh putain de merde, il est juste là. Cours, 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 cours. Cours s'il te plaît, cours. Je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Il y a moyen d'arrêter ce jeu, il me reste 10 minutes de jeu, je sais, mais... Là, je vais pas le supporter très longtemps. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais, tout doucement, regarde à gauche, tout doucement, il est pas là, il est pas là. Est-ce qu'il est parti de là? Ok, il est parti de là. J'ai l'impression... La lumière! Fonce! J'ai une larme, j'ai une larme, j'ai une larme. Cours de là, casse-toi de là, casse-toi de là, casse-toi de là. Et il est juste en face de moi. Ok, va dans l'autre direction. Va dans l'autre direction, casse-toi d'ici. C'est qui a dit? Je l'ai pas vu, je l'ai raté. Tu pourras voir le... la rediffusion, si tu veux. Un plaisir de partager ce moment avec toi. C'est vachement flippant. Le coup du labyrinthe ici, ça tombe dans le vide. Une petite musique. Ok, ça c'est son arbre. Faut que je dépose l'arme dans ces trucs. Ok, j'ai compris. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 larmes, j'en ai une. Oui, on y est presque. Attends, je me casse ici. Va vers le monstre. Va vers le monstre. Elle est bonne, celle-là. T'en fais pas, lui, il vient déjà vers moi. Donc, à ce niveau-là, je pense que j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il me suit à la trace. Maintenant que j'ai trouvé une larme, ça va tenir un peu plus chaud. J'ai l'impression, en tout cas. Alors là, je sais déjà plus où je suis. Ce qui aurait été cool, c'est de retomber sur l'espèce de petite fée bleue qui m'a donné la première larme quand j'ai commencé le jeu. Celle-là était encore assez facile à avoir. Il suffisait de suivre du regard une fée
Et ensuite, elle allait cracher une larme dans un espèce de récipient, dans une coupole, qu'il m'aurait suffi de récupérer. Alors qu'ici, je suis de nouveau coincé dans le brouillard. Je ne le vois pas nulle part. Je ne sais pas où je suis. Et il est essoufflé. Ok, je l'ai vu, il est là. C'est parti, on se casse de là. S'il te plaît, plus vite. S'il te plaît, plus vite que ça. Allez, s'il te plaît. Voilà, cours, c'est ça. Cours, petite fille. Quelle purée de pois. On voit rien. C'est ça qui est vraiment embêtant. Tu vois rien et à un moment donné, comme ça, sans prévenir, t'as une espèce de silhouette qui se dessine. Bon, quand elle est loin, ça va, t'as le temps de réagir. Encore que. On dirait que tu tournes en rond. Non, non, je tourne en rond. Enfin, je sais pas où je suis. Je ne sais pas du tout où je suis. Il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de plan. Mais jusqu'ici, je pensais savoir où j'étais, genre à chaque fois que je démarrais la partie, mais en réalité, non. C'est beau, comme un rêve, vraiment. T'as des rêves louches, toi? Je me retourne pour voir, j'ai eu un petit moment de stress. Ici j'ai une pierre. Qu'est-ce qui a marqué? 60. Oh, je suis revenu au tout début. Je suis revenu là où j'ai commencé. Donc j'ai. Voilà, pour répondre à ce radio. Je tourne, genre, parfaitement rond. Donc, je trouve quelqu'un qui fait les meilleurs ronds que moi. Alors est-ce que c'était pas par hasard ici? C'était ici. Allez, c'est parti, on va la suivre. On va la suivre, on va essayer de faire ça très vite. On n'a pas le temps. Parce que, voilà, c'est la petite espèce de fée dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, j'appelle ça une fée, en réalité c'est une tache bleue qui vole. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à tout moment, l'autre gars peut réapparaître. Je pense pas qu'ils aient eu la lueur d'esprit. Enfin, lueur d'esprit. De dire genre ouais non le gars, oh putain il est juste là, je sais pas si vous voyez. Et du coup j'ai foiré le truc, tu vois. Il fallait suivre la fée jusqu'à ce qu'elle dépose une larme dans le truc. Je l'ai plus suivi, du coup il faut que je recommence tout à zéro. Donc je me casse ici, perds pas ton temps ici, découvre un max d'endroits. Genre toi, que je suis là pour faire du tourisme quoi, découvre un max d'endroits. Casse toi Tu l'as toujours pas vu. Alors si je me retourne, est-ce qu'on va le voir? On ne le voit pas. Trop de brouillard. Hop. Mon personnage est totalement essoufflé. Je sais pas où je suis. Il est juste là à gauche. Ce rayon pour toi. Point blanc à gauche. Tu vois ça de loin, très loin. Point blanc. Point blanc qui se déplace vers la gauche, qui disparaît dans le brouillard. Il l'a pas vu, j'imagine. Ok, très bien. Nickel ça. Ça, on sait tous de qui on parle. Très important. J'ai l'impression que le brouillard s'est épaissi dans ce coin, ou alors c'est juste moi parce que je vois de moins en moins de choses. C'est vraiment minuscule. Voilà, c'est ce que je disais, c'est difficile de le distinguer de loin. Faut vraiment capter ce petit truc blanc
parce que si tu le captes trop tard, ben voilà, il va se passer ce qui m'est arrivé tout à l'heure, le gars il accélère et... Et il me chope. Il fait de moi sa chose. D'ailleurs, ce qui m'embête déjà, rien que... Je vais pas dire moralement, mais on joue une petite fille, quoi. Pourquoi est-ce que c'est toujours les êtres genre... qui ont une espèce de niveau d'hostilité zéro qu'il faut manipuler, ça, c'est comme dans Justine. J'avais joué une meuf. Bon, j'ai oublié le nom. Ah bah c'était Justine. C'était Justine. Bon, c'est Banner qui me disait de découvrir un max d'endroits. Rien du tout jusqu'ici. Hein. J'ai juste perdu. Ici, il y a une pierre. J'ai l'impression que c'est la pierre du début. Non, il n'y a rien écrit dessus. Et ça c'est quoi? Il y a une statue ici. J'ai découvert un endroit. Oh putain, c'était quoi ça? Oh putain, je suis coincé. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. C'est bien foutu ça. Je me suis fait choper par des ronces. Ok, je commence dans un autre endroit là. Commencer de l'autre côté de la carte. Mais non, j'aurais dû m'en douter en fait. J'aurais dû me douter que c'était des fleurs qui allaient me choper. Qui allaient me choper la jambe. Dire quelque part, c'est logique. Oh putain, ça veut dire qu'il est pas loin ça. Sauf que je le vois pas. Je le vois pas. Ah, on est revenu au pilier ici. Est-ce que j'ai le temps de m'amuser avec la fée ou pas? Est-ce qu'on tente le chou pour une larme? C'est parti. Vas-y, casse-toi, vite. Fais ta petite ronde. Si vous voyez un point blanc, faut me le dire, hein. Vas-y, casse-toi vite, je te suis. Allez, vite. Où est-ce qu'elle est passée, je ne la vois plus. J'ai raté le truc, purée, je me casse ici. J'ai raté le challenge. Je la voyais plus, il est juste là, ok, de toute façon il arrivait. Venir, il était tout prêt. Quand je vois des pâquerettes, je les renifle, moi. La seule plante que je renifle, moi, la plante des pieds, c'est ça? Bon. Ok. Donc, en gros, non seulement c'est déjà chaud, mais en plus, même quand j'arrive à un endroit, il faut faire un truc pour trouver l'alarme. Cette espèce de moine volant qui chope. On arrive vers l'arbre, ok. Ok. C'est bon à savoir ça. L'arbre il est en face du truc avec. Pas par là. Par ici. Cours. Qu'est-ce que je fais de mes temps libres? Je joue à des jeux louches. Comme celui-ci par exemple. Si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors c'est juste une barricade qui s'est effondrée. Ah c'est quand même grand en fait. Par grand j'entends c'est vaste. Il y a moyen de se perdre quoi.
truc que j'ai encore jamais vu, quoi. Ah, on est revenu près du labyrinthe là. Enfin du labyrinthe, l'autre labyrinthe. Lui qui était en feu. Donc on est d'accord pour dire que je n'entre plus là-dedans. Ok. On vient par ici. C'est bloqué. Je suis arrivé au bout de la map. Va longer dans l'autre sens et ok, ça c'est un coin de la map. Ok, très bien. Le problème c'est que moi je le voici, il est juste là. Ok, le gars il est chaud patate, je suis coincé, il est juste derrière moi. Non, attends, petit bug, j'ai l'impression. Non, pas petit bug, il est pas coincé, j'allais dire qu'il était coincé dans l'arbre, mais il est juste derrière moi. Il va me choper maintenant. Il va me choper maintenant. Voilà. Moi j'arrête là. Ça suffit. Tu fais quoi le nain, Srayu? Non, j'ai dit que j'arrêtais là. Merci. Exit game. Hop. Hop. Exit game. Voilà. Je vais vite remettre mon clavier. On dirait qu'il a une toge. C'est ça, c'est ce que je disais. Le gars est vêtu assez bizarrement.